Il est clair que Lee Harvey Oswald n'est pas le seul assassin. Il y avait d'autres tireurs. L'empreinte que j'ai examinée a été déposée au moment du crime. Je pense que JFK a été tué par des gars qui ont appliqué une justice texane. Si j'avais parlé à l'époque, j'aurais été tué. Dallas, ville symbole de la puissance financière du Texas. Au cœur de la cité, Dele Plaza. Ici, rien n'a changé. Le quartier semble figé depuis ce 22 novembre 1963. Quelques touristes se font photographier à l'endroit même où John Fitzgerald Kennedy a reçu le coup de feu mortel. L'ancien dépôt de livres où aurait été posté le tueur est aujourd'hui un musée. Un musée où l'on projette le même film depuis 40 ans. Un assassinat sous forme de carte postale touristique. La mort d'un président atteint par 3 balles, tiré depuis le 5e étage d'un immeuble par un seul tireur. Le 22 novembre 1963, le suspect sera vite désigné Lee Harvey Oswald, un jeune homme de 24 ans. Dans un premier temps, Oswald n'est accusé que du meurtre d'un policier, tué lui aussi ce 22 novembre, J.D. Tippit. Did you kill the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. Pendant que Lyndon Johnson, le vice-président, prête serment et devient président des États-Unis, Oswald se retrouve accusé à la fois du meurtre du policier et de celui de John Kennedy. Pour que chacun soit persuadé, Oswald est exhibé, tout comme l'arme du crime. Lee Harvey Oswald ne pourra jamais s'expliquer. 2 jours plus tard, Jack Ruby, un patron de cabaret de Dallas, lui tire dessus à bout portant. Sans protection, l'assassin présumé du président des États-Unis vient de mourir en direct devant micro et caméra. Jack Ruby, figure de la pègre locale, parfaitement connue de la police de Dallas, est arrêté. Pour expliquer son geste, il dira avoir voulu venger le président sur un coup de folie. Lyndon Johnson désigne une commission d'enquête dirigée par Earl Warren, le président de la Cour suprême. 1 an plus tard, la commission remet son rapport, 880 pages, 26 volumes de preuves. Reprenant l'enquête du FBI, la commission conclut « Lee Harvey Oswald est l'assassin, le seul tireur, et Jack Ruby a vengé le président. » Malgré les doutes et l'invraisemblance de la thèse du tireur isolé, cette version officielle reste la seule admise 40 ans plus tard. Pourtant, un premier document, inconnu à ce jour, met à mal la version officielle. C'est un ancien policier de Dallas qui nous a fourni ce document qu'il a conservé pendant 35 ans. Depuis ce jour de 1967 où Jack Ruby lui confie une lettre 48 heures avant sa mort. Quand j'ai serré la main de Jack Ruby, il transpirait. Et dans le creux de sa main, il y avait ce papier. Je l'ai gardé sur moi. Dans cette lettre, Jack Ruby écrit « Mon but était d'empêcher Oswald de parler », autrement dit de l'empêcher de dénoncer ses complices éventuels. On est loin du coup de folie d'un Jack Ruby voulant venger le président. Jerry Hill, un autre policier de Dallas que l'on voit ici après l'arrestation d'Oswald, a été au cœur de cette enquête. Rendez-vous est pris dans un lieu stupéfiant, en plein centre de Dallas, le Red Jacket, une boîte de nuit branchée, entièrement dédiée aux gestes criminels de Jack Ruby.
Jerry Hill reste persuadé qu'Oswald était dans le coup. Mais il se souvient aussi de la rapidité avec laquelle il a été suspecté. Un gars qui était sur le Grassy Knoll, la colline herbeuse, a donné à un agent la description d'un homme qu'il avait vu à la fenêtre. Un homme blanc, environ 30 ans, 1m75, 80 kilos. Cette banale description par un seul témoin a donc suffi à désigner Oswald. Officiellement, Oswald a aussi été suspecté parce qu'il n'aurait pas regagné son poste au dépôt de livres après l'assassinat. Or, ce document que nous avons retrouvé prouve qu'une quinzaine d'employés du dépôt n'étaient pas non plus au travail l'après-midi du 22 novembre 1963. Eux ne seront jamais inquiétés. Jerry Hill, que l'on voit ici sur Dealey Plaza, n'a pas oublié les méthodes étranges des hommes du FBI. Ils ont pris toutes les pièces à conviction, qu'ils ne nous ont jamais rendues. Ils ont pris les armes, notamment celle qui a tué Tippit, le fusil, et évidemment, les relations entre la police de Dallas et le FBI ont été quelque peu tendues. Le gros problème de cette enquête a été le patron du FBI, John Edgar Hoover. Le FBI a fait beaucoup d'erreurs. Il était plus attaché à masquer ses erreurs qu'à essayer de savoir qui avait tué le président et s'il y avait un complot ou pas. Le président Kennedy a été assassiné dans un quartier où sont regroupés le bureau du shérif, le palais de justice et les locaux du FBI, un quartier où sa sécurité aurait dû être assurée. En réalité, aucune mesure particulière n'a été prise. On verra beaucoup de policiers, mais après l'assassinat. Parmi tous ces policiers présents à Dallas ce jour-là, Jay Harrison. Jay vit aujourd'hui à Austin. 40 ans d'enquête sur l'affaire Kennedy l'ont rendu prudent. Il nous parlera donc en tournant le dos à la caméra pour dénoncer lui aussi la mainmise de Washington sur l'enquête. 60 agents sont venus de tout le pays avec leurs propres sténographes. Ils restaient dans leur hôtel et leur travail était piloté directement de Washington. Ils n'ont fait aucune enquête, ils ont juste posé des questions. Ils cherchaient la vérité. On leur a indiqué les questions à poser, on leur a dit qui il fallait interroger ou ne pas interroger. Allez voir cette personne, posez-lui telle question et obtenez telle réponse. C'est tout ce qu'ils ont fait. Autre bizarrerie du dossier. Le FBI affirme que Lee Harvey Oswald vivait seul ici, dans un modeste meublé de Dallas. 40 ans après, une simple visite sur les lieux prouve qu'il n'y était pas seul. C'est là qu'il vivait ? Oui, c'est quatre fenêtres. C'est seulement une chambre ? Une seule. Retournons en 1963. Vous louiez ces appartements aussi, il y avait donc d'autres personnes là derrière. On peut jeter un œil parce que de la rue ça paraît si petit qu'on n'imagine pas que derrière il y avait 19 chambres, c'est ça ? 19 chambres, c'est ça. 19 locataires, 19 voisins d'Oswald, dont le FBI garde l'identité secrète encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut être top secret sur la maison ? Qu'est-ce qu'il y a de secret sur Lee Harvey Oswald ? Il ne devrait rien avoir de secret. Et qu'en est-il de la liste des autres locataires ? Elle n'a jamais été révélée. Jamais au grand jamais. Et vous savez pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes impliquées dans ce scénario particulier. Ted Gunderson a pu recenser tous les manquements de l'enquête du FBI. Et il est bien placé pour le faire, puisqu'ancien directeur du FBI à Dallas de 1964 à 69. Après une carrière brillante, il a été considéré comme un des meilleurs flics des États-Unis. Ted Gunderson a consacré ses dernières années à l'assassinat de John Kennedy. Je pourrais dire que le FBI est impliqué dans la manipulation. Car la commission Warren s'est arrêté à des conclusions qui n'étaient pas basées sur des faits ni sur la vérité.
Et le FBI était au courant et n'a rien fait. Pour conforter leur thèse du tireur unique, les enquêteurs du FBI ont volontairement écarté certains témoins pourtant essentiels. Par exemple, ceux qui accourus sur les lieux retrouvent des balles perdues dans l'herbe. Ou encore le témoignage de Bill Newman, que l'on voit ici avec sa femme et ses enfants, couchés, cherchant des yeux le tireur. Je me souviens de la voiture du président arrivant vers nous. Elle était à 15 mètres environ quand j'ai entendu les premiers coups de feu. Et à ce moment-là, ma crainte a été, parce que le tir venait de derrière nous, juste à notre hauteur, qu'on soit dans la ligne de feu. Bill Newman pouvait légitimement avoir peur. Il se trouvait ici, à 3 mètres de la voiture du président. Et les tirs provenaient de la palissade, située 30 mètres derrière lui, et pas seulement du 5e étage du dépôt de livres. Autre témoin oublié, Bobby Argus. C'était un des motards de l'escorte le plus proche de la voiture du président au moment du coup de feu mortel. Au deuxième coup de feu, sa tête a explosé, comme quand on tire sur une tomate. Juste explosé. J'ai reçu de la matière cervicale et du sang sur moi. C'est la tête du président qui est visée. La tête est projetée vers l'arrière, la matière cervicale également atteignant l'uniforme de Bobby Argus. Seul un tir de face peut expliquer ce mouvement. J'ai pensé que Lee Harvey Oswald était le seul assassin. J'avais accepté cette idée sans me poser de questions. Une fois sorti du FBI, quand j'ai pris ma retraite, j'ai fait mes propres recherches. Et je me suis aperçu, ça colle pas. Maintenant, c'est très clair, Lee Harvey Oswald n'est pas le seul assassin, il y avait d'autres tireurs. Quelle serait pour vous la principale raison ? La principale raison, Lee Harvey Oswald n'est pas le seul assassin à cause de la trajectoire des balles. La tête de John Kennedy a été projetée vers l'arrière, la balle venait de face et pas de derrière lui. Conclusion, Lee Harvey Oswald, posté au dépôt de livres, n'a pas pu tirer la balle mortelle. Et Jack Ruby l'a tué avant qu'il ne révèle les noms de ses complices, autrement dit, un complot. Le film de l'assassinat, parfaitement restauré, montre un crâne éclaté et une blessure béante. Curieusement, à l'autopsie, le visage de John Kennedy est intact. Depuis 40 ans, cette autopsie fait l'objet d'une polémique. Y a-t-il eu manipulation ? Si c'est le cas, l'histoire étrange de John Liggett peut apporter un début de réponse. En 1963, John Liggett est embaumeur au cimetière de Restland à Dallas. C'est aussi un des meilleurs spécialistes pour réparer les visages abîmés. Lois, sa femme à l'époque, se souvient de ce 22 novembre 63. Ce jour-là, elle se trouve au cimetière pour y enterrer une tante. John Liggett est avec elle. John a reçu un message d'un collègue des pompes funèbres. Il lui a dit qu'on avait tiré sur le président et qu'on avait besoin de lui. Alors, il a dû partir. Je ne l'ai pas vu pendant 24 heures. Quand il est revenu à la maison, il est rentré et a dit « Je veux que tout le monde se prépare. On s'en va. » Debbie, la fille de Lois, a 12 ans à l'époque. Elle a vécu, elle aussi, ce départ précipité vers San Antonio, à 800 km de Dallas, puis l'installation dans un motel. John s'est assis au bord du lit et regardait la télé. Il fumait cigarette sur cigarette. John regardait les informations quand Oswald a été tué par Ruby et soudain, il est apparu très soulagé. Et il a dit, on peut rentrer à la maison maintenant. Que craignait John Liggett en fuyant Dallas ? Que sa participation au maquillage du visage de John Kennedy soit dévoilée, il n'en parlera jamais. Et la suite de sa vie est tout aussi mystérieuse. La police lui découvre un passé de tueur. Après plusieurs assassinats, il est arrêté puis abattu lors d'une tentative d'évasion en 1975.
Avant l'inhumation, c'est sa deuxième femme qui vient reconnaître le corps. Elle m'a dit que c'était particulièrement troublant, car lorsqu'on lui a montré le corps, elle leur a dit, et elle m'a dit, que la personne dans le cercueil n'était pas John. Elle m'a dit qu'ils lui ont fait comprendre. Si, si, c'est bien John, laissez tomber. Elle était assez intelligente pour laisser tomber. Voici 3 ans au cours d'un voyage dans le Nevada, Lois est au Horseshoe, un des casinos légendaires de Las Vegas. J'ai vu un homme de dos qui ressemblait exactement à John Liggett. Puis il s'est retourné, m'a regardé. Il a demandé à un employé de faire sortir les gens qui étaient derrière lui, c'est-à-dire moi et mes petits-enfants. C'est la dernière fois que j'ai eu un contact avec lui et je reste convaincue que c'était John. Étrange destin que celui de John Liggett. Il aurait réparé le visage dévasté de John Kennedy, cachant la trajectoire de la balle. Vivant après sa mort, il aurait trouvé refuge à Las Vegas. Nous verrons qu'il n'est pas le seul. Nous retournerons à Las Vegas pour un autre acteur de l'assassinat de John Kennedy, un premier rôle, celui-ci, dont nous avons retrouvé la trace à Dallas. Le 22 novembre 1963, quelques minutes après l'assassinat, les policiers de Dallas investissent le dépôt de livres. Ils relèvent une trentaine d'empreintes sur des cartons au 5e étage du dépôt. Toutes seront identifiées, on y retrouve notamment celle de Lee Harvey Oswald, toutes excepté celle-ci. Oswald, désigné coupable, cette empreinte anonyme va dormir dans les archives de la commission Warren. Et ce, jusqu'en 1998, quand l'ancien policier Jay Harrison découvre cette empreinte relevée 35 ans plus tôt. Il décide de la comparer avec celle d'un tueur professionnel qui aurait pu se trouver à Dallas le jour de l'assassinat. Il confie ce travail à Nathan Darby, un des meilleurs spécialistes américains en la matière. Un expert qui va travailler à l'aveugle, ignorant tout de l'origine des empreintes et de leurs propriétaires. À la base de son travail, un infime indice. Vous pouvez nous montrer le doigt d'où provient l'empreinte ? C'est le bord du petit doigt. Sur une scène de crime, vous transpirez davantage quand vous devenez nerveux. Si vous vous retrouvez dans une situation délicate, votre transpiration va s'accélérer. Sur cette empreinte, quand vous regardez de près, sur la partie gauche, il y a une trace importante d'humidité, quelque chose de semblable. C'est tout noir. Première indication, l'homme qui a laissé son empreinte sur un carton au 5e étage du dépôt de livres était extrêmement tendu. Le carton agit comme un buvard. Il absorbe toute humidité, toute transpiration de votre doigt. Il va l'assécher. Et il faut vous dépêcher si vous voulez des empreintes. L'intensité de la trentaine d'empreintes que j'ai étudiées était toujours la même. Je peux dire que l'empreinte que j'ai examinée a été déposée au moment du crime. L'expertise démontre donc qu'un deuxième homme se trouvait au 5e étage du dépôt de livres aux côtés d'Oswald. Nathan Darby détectera une trentaine de points de comparaison entre les deux empreintes. Or, aux États-Unis, 6 points suffisent à envoyer un prévenu sur la chaise électrique. Je peux me présenter devant un tribunal et ce sera ma dernière déclaration avant de mourir de dire que ces empreintes sont les mêmes. Les mêmes. Sans le savoir, Nathan Darby venait d'identifier un certain Malcolm Everett Wallace. Un homme qui n'avait rien à faire au dépôt de livres, il n'y était pas employé.
Pour la première fois depuis 40 ans, un deuxième tireur potentiel est identifié. Jay Harrison transmet alors cette empreinte à la section homicide de la police de Dallas. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? On dirait bien que nous avons là deux empreintes identiques. Appelons le FBI. 4 jours après avoir présenté ces documents, le chef de la police de Dallas et son équipe nous ont dit « Laissez tomber l'affaire, laissez le FBI s'en occuper. » Depuis 1998, le FBI n'a pas bougé. Jay a dû partir seul sur les traces du dossier de Mack Wallace. Pendant 8 ans, j'ai essayé de mettre la main sur ce dossier. Pendant 8 ans, pas de dossier. Pas de dossier, aucun dossier. 8 ans. Oui, c'est ça. Vous avez utilisé les voies légales ? J'ai essayé toutes les voies possibles pour obtenir le dossier. Et le gouvernement, dans sa très grande sagesse, n'a pas fait une seule copie. Mais il y avait d'autres moyens pour récupérer ce dossier. Je me suis débrouillé. Et quand Jay Harrison met enfin la main sur le dossier FBI de Mack Wallace, voilà ce qu'il découvre. Voici donc le dossier Mack Wallace. Oui, celui qui n'existe pas. Et regardez cette rédaction. Tout est censuré. Ça, vous voyez, c'est un rapport avec la sécurité nationale. Mack Wallace était donc à Dallas le 22 novembre 1963. Attendant avec ses complices le passage du cortège présidentiel. Nous allons voir que c'est la vie d'un homme qu'il connaît très bien que veut cacher le FBI. La vie d'un tueur. Le parcours criminel de Mack Wallace débute en 1951 à Austin par l'assassinat d'un golfeur professionnel, John Kinzer. En février 1952, Wallace est reconnu coupable de meurtre avec préméditation, passible de la peine de mort. Le juge prend alors une décision stupéfiante, s'opposant au jury. Il condamne Mack Wallace à 5 ans de prison, puis finalement à 5 ans avec sursis. Ce verdict est incompréhensible, sauf si l'on se souvient de ce qu'avait déclaré Mack Wallace au policier venu l'arrêter. « Je travaille pour LBG, Lyndon Baines Johnson. » À l'époque, Lyndon Johnson n'est pas encore président, mais seulement sénateur du Texas. Dix ans plus tard, en 1961, le Texas est secoué par une nouvelle affaire criminelle qui, nous le verrons, donne la clé de l'assassinat de John Kennedy. En juin 1961, Henry Marshall est retrouvé mort dans son ranch de Franklin. Henry Marshall est un des cadres importants de l'agriculture au Texas. C'est lui qui distribue les subventions. Il est tué de 5 balles, tirées d'un fusil qu'il faut recharger à chaque coup. Son visage est huméfié, il a respiré du monoxyde de carbone. La thèse du suicide est ridicule. À l'évidence, il s'agit d'un homicide. Pourtant, le shérif local passe outre et conclut au suicide. Pour Phil Banks, l'actuel avocat de la famille Marshall, ce shérif était aux ordres d'un réseau qui avait tout pouvoir au Texas. Il peut y avoir des situations où le shérif est influencé, contrôlé ou bien travaille pour certaines personnes. Si le shérif est sous contrôle, il ne fera rien pour gêner les gens qui l'ont placé là. Sinon, il ne sera plus le shérif. Aujourd'hui, un homme ose dénoncer ce réseau d'influence texan. Son nom, Billy Sol Estes. C'est un témoin fondamental. Cet homme d'affaires a fait partie de l'organisation politico-financière qui a la main mise sur le Texas depuis des décennies. Billy Sol Estes n'a jamais parlé à des journalistes. Après 40 ans de silence, pour la première fois face caméra, il accepte de révéler les secrets d'une organisation qui abrite les assassins d'Henry Marshall, mais surtout de John Kennedy. Un des hommes clés de ce système s'appelait Cliff Carter. C'était un ami de Billy Sol Estes. C'était le bras droit de Lyndon. Depuis les années 50, c'est l'homme en qui Lyndon avait le plus confiance. Il était toujours avec lui. Politiquement, c'était un soutien sûr.
Et quelles étaient vos relations avec Cliff Carter? Nous étions très proches, très très proches. Vous étiez en affaires avec lui? Oui, on faisait des affaires. Quel genre d'affaires? Des contrats gouvernementaux. Parfois, l'argent passait par moi pour finir chez Lyndon. Billy Solestes connaît Lyndon Johnson depuis les années 50. Il est un des soutiens financiers du jeune élu texan. En retour, Johnson l'aide dans ses affaires. Une relation corrupteur-corrompu qui va durer des années, avec au centre du jeu l'inévitable Cliff Carter. Kyle Brown a grandi dans ce milieu. Adolescent et donc insoupçonnable, il a été utilisé lui aussi comme porte-valise. J'ai transféré de l'argent entre Cliff Carter, Billy Solestes, Johnson et d'autres, ok? L'argent dont on parle, à mon avis, les grosses sommes, étaient transportées d'une autre façon que je n'ai jamais connue. Moi, je vous parle de 50 à 100 000 dollars. Pour ces gars, c'était rien. Vous avez besoin de liquide, d'argent qui ne laisse pas de traces. Vous avez besoin d'une caisse noire, comme on dit. Et là, c'était exactement ça. Il existe de nombreuses lettres comme celle-ci que Lyndon Johnson adressait à Billy Solestes. Des lettres de remerciement qui prouvent les liens étroits entre les deux hommes. En juin 1961, Henri Marshall devient une menace. Il est prêt à dénoncer une énorme arnaque, un détournement de subventions agricoles. Problème, pour le faire taire, on ne peut pas l'acheter. Il devait témoigner le lundi suivant à Washington. Ils l'ont tué le samedi. Ils ne voulaient surtout pas qu'il témoigne. À Washington, au plus haut niveau de la justice, Bobby Kennedy, le frère du président, s'intéresse à l'affaire Marshall. Il est convaincu qu'on a voulu faire taire Henri Marshall parce qu'il s'apprêtait à dénoncer les magouilles texanes. Il est évident que Bobby Kennedy essayait de trouver un moyen de se débarrasser de Lyndon Johnson en tant que vice-président. Et Lyndon essayait de faire en sorte qu'il n'y parvienne pas. Politiquement, l'affaire Marshall était une patate chaude. Ça pouvait faire sauter tout le monde. Billy Solestes nous a confirmé que Bobby Kennedy lui avait proposé un marché à l'époque, dire tout ce qu'il savait de la mort d'Henri Marshall en échange de sa relaxe dans une affaire de détournement de fonds publics. Billy Sol choisit de se taire, il sera condamné et ira en prison. Si j'avais parlé à cette époque, j'aurais été tué. Lyndon m'avait promis de me tirer d'affaire si je la fermais. Et que s'est-il passé ? Oh, il ne m'a jamais tiré d'affaire. Vous vous êtes senti trahi par Lyndon Johnson? J'ai été trahi. Aujourd'hui, Billy Solestes sait qu'il est au crépuscule de sa vie. Sa tombe est déjà prête. Alors il désigne sans crainte l'assassin d'Henri Marshall. Qui a tué Marshall? Mack Wallace l'a tué. Vous l'aviez rencontré? Oui, je connaissais très bien Mack. Comment savez-vous que Mack Wallace a tué Henri Marshall? Comment je sais qu'il l'a tué? Parce qu'il me l'a dit. Billy Solestes ne se contente pas d'accusations lancées face caméra. Il en a déjà dit beaucoup plus à la justice américaine. C'était ici à Franklin, petite ville du Texas. Nous sommes en 1984. Billy Solestes accepte de témoigner devant un grand jury. À ses côtés, un certain Clint Peoples. Clint Peoples n'est pas n'importe qui. Un flic légendaire qui a son buste au musée des Texas Rangers. Un passionné qui a commencé sa carrière en neutralisant Bonnie et Clyde. Après avoir pris sa retraite, Clint Peoples traquera sans relâche les assassins d'Henri Marshall et de John Kennedy. Les deux hommes se retrouvent comme témoins dans cette salle. En 1984, c'est le procureur John Pascal qui dirige les débats. Tout témoignage devant le grand jury est supposé être secret.
Les délibérations sont supposées être secrètes. Les témoins prêtent serment qu'ils ne révéleront rien, ni par signe, ni par mot, de leur témoignage. Rien n'aurait jamais dû sortir de ce palais de justice. Pourtant, un homme a enregistré clandestinement les témoignages de Billy Solestes et de Clint Peoples. Nous nous sommes procuré ce document sonore unique. Premier élément, après 30 ans d'enquête, Clint Peoples a pu reconstituer ce qu'il appelle le réseau Johnson. Deuxième élément, Billy Solestes explique au grand jury le mobile de l'assassinat d'Henri Marshall. Ce grand jury de 1984 démontre donc qu'Henri Marshall ne s'est pas suicidé 23 ans plus tôt, il a été assassiné. Nous avions un portrait robot qui correspondait à l'homme que Billy Solestes a désigné comme le tueur, Malcolm Wallace. Je pense que cette preuve est très importante, cruciale. Devant le grand jury, Clint Peoples évoquera aussi l'affaire Kainzer, cet assassinat commis en 1951 par Mac Wallace et pour lequel il était passible de la peine de mort. Mac Wallace, protégé par Lyndon Johnson, c'est évident à la vue de ce document de 1961. Les services secrets de la marine mènent une enquête sur Mac Wallace pour savoir s'il peut travailler dans des secteurs sensibles. Le rapport est édifiant. Wallace est présenté comme un criminel, pervers sexuel, alcoolique et, ce qui est rédhibitoire aux États-Unis, communiste. En 1961, Clint Peoples rencontre l'inspecteur des services secrets de la marine. C'est donc recommandé par Lyndon Johnson que Mac Wallace travaillera pendant 14 ans pour LTV, une entreprise texane d'électronique. Une société classée top secret, liée à la CIA. LTV, qui deviendra Raytheon, a toujours soutenu financièrement Lyndon Johnson. Parallèlement à cette audition exceptionnelle devant le grand jury, Billy Solestes écrit en 1984 au département américain de la justice par le biais de son avocat. Il se dit prêt à donner toutes les informations sur 8 assassinats perpétrés par Mac Wallace sur ordre de Lyndon Johnson. Le dernier de la liste est l'assassinat de John Kennedy. Ce courrier restera lettre morte. Pourtant, Billy Solestes peut démontrer que Mac Wallace, l'assassin d'Henri Marshall, est membre d'un réseau texan autour de Lyndon Johnson et qu'il était le 22 novembre 1963 à Dallas, parmi les assassins de John Kennedy. En
En proposant de tout dire, Billy Sol Estes se met en danger. Aussi, depuis le début des années 60, a-t-il choisi de se protéger en enregistrant systématiquement toutes les conversations qu'il a avec les membres du réseau texan. Vous aviez peur qu'il vous tue ? Pourquoi croyez-vous que je la fermais ? Et pourquoi ils ne vous ont pas tué ? Je les ai toujours menacés de rendre publiques ces cassettes s'ils le faisaient. Quand j'ai compris que ça sentait le roussi, j'ai commencé à enregistrer tout le monde. Si j'avais dû utiliser ces cassettes, si j'en avais parlé, je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler. Tout le monde est mort. Pourquoi m'aurait-il épargné ? Je n'aurais pas été épargné. Un des enregistrements les plus importants que nous avons pu entendre concerne Cliff Carter, le bras droit de Lyndon Johnson. Nous sommes en 1971. Cliff Carter et Billy Sol Estes évoquent l'assassinat de John Kennedy. Cliff était vieux à cette époque. Il voulait juste en parler. Alors, on en a parlé. Et que vous a-t-il dit ? Il m'a simplement dit qu'il regrettait d'avoir vécu cette vie. Il m'a dit à ce moment-là que c'est Lyndon qui l'avait fait tuer. Vous avez enregistré cette conversation ? Oui. Tom Bowden est un Texan, un chercheur passionné par l'affaire Kennedy. Ayant gagné la confiance de Billy Sol Estes, il a pu écouter cet enregistrement de 1971 entre Billy Sol et Cliff Carter. Sur cette cassette, Carter disait que Johnson devenait parano. Il regrettait de l'avoir aidé pendant des années dans tous ces meurtres, dont celui de John Kennedy. Sur cette cassette, Cliff Carter mentionnait précisément l'assassinat de John Kennedy. Oui. Et l'implication de Lyndon Johnson ? Oui. Cette rencontre a été impromptue. Il a appelé et a dit « J'arrive » et c'est ce qu'il a fait. Billy Sol m'a dit « J'ai besoin que quelqu'un soit là et Cliff te connaît. Il parlera devant toi. » Il m'a remercié d'être là. Je pense qu'il est venu pour deux raisons. Il est venu d'abord pour soulager sa conscience. Il est venu aussi pour, indirectement, avertir Billy Sol. Il était bourré de remords. Il parlait comme un homme qui savait qu'il n'allait pas vivre longtemps. C'est ce qui est arrivé. Il est mort 36 heures après. Il est mort dans un hôtel minable, très mystérieusement. C'était peu après ? Oui, juste après. Vous l'avez enregistré sur l'assassinat de Kennedy ? Oui. Et quelques jours après, il est mort ? Oui. Pouvez-vous l'expliquer ? Il était mystérieux, très mystérieux. Il était si triste et déprimé. Je me suis demandé si on l'avait tué ou s'il s'était suicidé. Je me suis demandé s'il craignait quelque chose quand il m'a parlé. Vous pensez qu'il se sentait trahi par Lyndon Johnson ? Et que Lyndon ne s'est pas occupé de lui ? Oui, il le pensait. Il a été trahi par Lyndon, qui ne s'est pas occupé de lui comme il aurait dû. Comme vous ? Oui, Lyndon utilisait les gens. Il ne s'est jamais occupé de personne. Il était fou de pouvoir. Cliff Carter mort, Billy Sol Estes restait le dernier témoin. Le clan Johnson tentera bien de l'atteindre, mais les enregistrements de Billy Sol sont restés son assurance sur la vie. Clint Peoples, nous allons le voir, aura moins de chance. De ses 30 ans d'enquête, le Texas Ranger avait acquis la certitude que les assassinats qui ont ensanglanté le Texas dans les années 60 étaient l'œuvre d'une seule et même équipe, y compris l'assassinat de John Kennedy. Cet homme n'était pas un de ces fanatiques de la conspiration. C'était un homme de loi. Il a été un homme de loi toute sa vie.
Je me souviens du capitaine People annonçant qu'il allait tenir une conférence de presse et me dire qu'il allait tout faire sauter. Il était convaincu qu'il y avait un lien entre le meurtre d'Henri Marshall dans le comté de Robertson en 1961 et l'assassinat de Kennedy en 1963. Il m'a dit ça. En 1992, une semaine avant cette conférence de presse où il doit tout dire, Clint Peoples se tue en voiture à quelques kilomètres de chez lui sur une route qu'il connaît parfaitement. Pour en savoir plus sur cet accident opportun, nous prenons rendez-vous avec celle qui fut l'assistante de Clint Peoples. Nous comprenons très vite que cette femme a peur. Elle refuse l'interview. Je ne devrais rien vous dire, mais aux funérailles de Clint Peoples, une femme est venue vers moi et m'a dit « Ne le dites à personne, mais j'ai vu ce qui s'est passé ». Je lui ai dit « Vraiment ?»« Oui, me dit-elle. J'ai vu un gros pick-up rouge qui l'a poussé dans le ravin. » Elle m'a dit « Ce n'est pas un accident. » Elle était terrorisée. Elle m'a demandé de me taire. Elle a ajouté qu'il faisait beau, que la route était propre, qu'elle avait tout vu. Officiellement, c'est un accident de voiture. Oui, et pour être parfaitement honnête, j'ai été un peu lâche sur le coup. Je savais où était sa voiture et je ne suis pas allée voir l'état dans lequel elle était. Je préfère vivre. Je n'ai pas voulu m'en mêler. Trop de gens ont été tués. Trop de gens ont été tués. L'assistante de Clint Peoples n'est pas la seule à avoir peur. 10 ans après la mort du Texas Ranger, 30 ans après celle de Lyndon Johnson, 40 ans après l'assassinat de John Kennedy, il y a toujours danger à rechercher la vérité. Tous ceux qui ont consacré des années de leur vie à l'affaire Kennedy sont convaincus que commanditaires et assassins ont encore la capacité de nuire. Prenons le cas de Mack Wallace. Ce tueur en série, un des tireurs du 22 novembre 1963, est officiellement mort en 1971 dans un accident de voiture. Tom Bowden a suivi la trace de Mack Wallace s'il ne croit pas à sa mort. À ce qu'il paraît, c'était un accident de voiture à Pittsburgh, au Texas. Des témoins disent que Wallace n'y était pas à cette date-là. Il a été vu plus tard à Las Vegas, en 1979 et 1980. Donc je ne pense pas qu'il soit mort dans un accident de voiture. Si vous vérifiez aux pompes funèbres, vous ne trouverez pas de fiche d'identification précise du corps. Et on m'a dit qu'il était toujours vivant en Californie. Vous avez rencontré des gens qui l'ont vu ? Oui. Ils l'ont vu à Las Vegas ou en Californie ? Ils l'ont vu en Californie et j'ai entendu qu'il était à Las Vegas. Mack Wallace n'est pas mort en janvier 1971. Un membre de sa famille, qui préfère garder l'anonymat, nous a affirmé qu'il était toujours vivant en 1982. D'autres témoins ont croisé Mack Wallace à Las Vegas, 8 ans après sa mort. Il a été vu ici, au Horseshoe, durant le championnat du monde de poker en 1979. Le Horseshoe, ce casino de légende, où 20 ans plus tard, Lois verra son ex-mari, John Liggett. John Liggett, l'homme qui aurait maquillé la tête de John Kennedy, masquant ses blessures. Wallace et Liggett, deux acteurs du 22 novembre 1963, étaient donc vivants après leur mort. Ont-ils été protégés ? Mack Wallace, on l'a vu, était sous la protection de Lyndon Johnson, mais également de John Edgar Hoover. Son échange de courrier en 1952 avec le patron du FBI est très instructif. Ça, c'est une lettre écrite en janvier 1952, par Malcolm Wallace à un certain John Edgar Hoover. Juste quelques jours après,
Hoover écrit à Wallace pour répondre à son courrier. En moins d'une semaine. Personnellement. Come on now. Allons donc. À combien de personnes ouvertes écrivait-il personnellement? Surtout aussi vite. Surtout à un meurtrier. Et ça, c'est tiré du dossier du FBI. En protégeant Mac Wallace, un tueur, en taisant l'existence d'un réseau criminel au Texas, c'est un complot qu'on a voulu cacher, et ça dure depuis 1963. Au bout de notre enquête, il reste désormais à identifier les hommes qui ont programmé la mort du président des États-Unis et à démontrer que commanditaires et assassins étaient tous des Texans. Tout a commencé dans les années 40, avec l'apparition d'un jeune politicien prometteur, Lyndon Baines Johnson. L'ambition, Lyndon Johnson la cultive très tôt dans le ranch familial au sud du Texas. Lyndon est pauvre, il rêve de devenir riche. Il est modeste et rêve de pouvoir. C'est le Texas qui le lui apportera. Le Texas fut la terre des bisons et des grands espaces. Mais depuis longtemps, les hommes ont troqué le cheval pour la voiture et les pistes sont des routes sans fin. Aujourd'hui, les paysans sont des industriels de l'agriculture. La terre renferme aussi du pétrole. Et l'or noir a fait la fortune de quelques familles. Depuis toujours, ces riches Texans ont réussi à imposer un homme à eux à Washington. Ce sont ces familles qui vont façonner Lyndon Johnson. Le jeune élu démocrate sait parfaitement qu'il doit à ses parrains en politique l'argent et le pouvoir. Et il n'oublie jamais de faire allégeance. Lonnie Sykes, un de ses mécènes, se souvient des débuts en politique de Lyndon Johnson. Un jour, nous nous sommes retrouvés dans une ville avec un ami, un des financiers de Johnson. Arrivé dans la ville, il y avait un grand rassemblement, 2000 personnes environ. Mon ami m'a dit « Garde-toi là ». Et dès qu'on est sorti de la voiture, Lyndon Johnson nous a vus. Il a sauté de l'estrade et il est venu vers nous. Là, il a pris mon ami dans ses bras et l'a embrassé comme si c'était sa mère. La presse révélera qu'en 1948, Johnson a été élu sénateur du Texas après des élections truquées. Parallèlement, il s'est constitué un autre réseau, de généreux donateurs qui vont l'enrichir. Parmi eux, un golden boy ambitieux, Billy Sol Estes. À l'époque, je rencontrais Lyndon Johnson dans les aéroports. Je lui apportais de l'argent. Il ne faisait vraiment confiance à personne. Les gros contrats, il les traitait lui-même. Je les rencontrais souvent, il lui suffisait de m'appeler. Je commençais à lui parler de mes problèmes, alors il me disait « Mais nom de Dieu, je ne t'ai pas demandé de me parler de ça. Je te demande de m'apporter ce putain de fric à l'aéroport. » Alors j'apportais l'argent à l'aéroport. Cliff Carter était un maillon essentiel de cette chaîne de corruption autour de Lyndon Johnson. Porteur de valises, mais aussi agent recruteur. C'est par exemple Cliff Carter qui, à la fin des années 40, repère un jeune leader étudiant, Malcolm Everett Wallace. Wallace ne quittera plus l'équipe Johnson. Quelques années plus tard, il en devient la première gâchette. En 1961, Lyndon Johnson est vice-président aux côtés de John Fitzgerald Kennedy. Tout va bien, mais en apparence seulement. Car Johnson menace d'être rattrapé par ses affaires texanes. D'un côté, il se sent traqué par Bobby Kennedy. Depuis quelque temps, le frère du président s'intéresse de très près à ce réseau qui fait régner sa loi au Texas et qui élimine les gêneurs. Et puis il y a John Kennedy, ce président sur lequel il n'a aucune prise. En 1963, le réseau texan s'inquiète des rumeurs de retrait des troupes américaines du Vietnam. Mais surtout, Kennedy menace de supprimer les avantages fiscaux dont bénéficient les producteurs de pétrole. Personne n'avait osé le faire avant lui. C'est à ce moment-là que les riches Texans décident d'activer Johnson.
Acculé par ses industriels auxquels il doit tout, menacé par la justice et survolté par son ambition, Lyndon Johnson n'a plus qu'un objectif. Le bureau ovale, celui du président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde. C'est si simple. Il n'y a pas de mystère dans cette affaire. Pour qui connaissait Lyndon Johnson, pour qui connaît l'histoire, il était sans pitié. Pour lui, je crois qu'il pensait que la fin justifie toujours les moyens. Je pense que JFK a été tué par des gars qui ont appliqué une justice texane. C'est l'histoire simple d'un homme qui voulait devenir président et de ceux qui l'ont soutenu. Ils ne supportaient pas le président en poste et voulaient mettre leur homme à la place. Tom Bowden est certainement le chercheur texan qui a rassemblé le plus grand nombre d'informations sur l'assassinat de John Kennedy. Selon ses sources, c'est autour d'une table de poker que les représentants de quelques grandes familles texanes ont décidé l'assassinat du président et les moyens d'y parvenir. Il y avait suffisamment de collusion entre les financiers de Johnson, la police de Dallas, et celui qui contrôlait le FBI, John Edgar Hoover. Ils ont pu à la fois couvrir l'affaire et désigner le parfait coupable. Le parfait coupable sera Lee Harvey Oswald. Il fera partie de l'équipe des tueurs aux côtés de Malcolm Wallace. Pour les commanditaires, il reste alors à choisir la ville. Ce sera chez eux, à Dallas. Ce jour-là, l'équipe en place était contrôlée. Et la personne qui assurait ce contrôle pour vérifier que tout allait bien se passer était Cliff Carter. Non pas qu'il leur ait dit quoi faire sur Dealey Plaza, mais c'est lui qui avait tout planifié. Ce 22 novembre 1963, les tueurs attendent John Kennedy sur Dealey Plaza. Ils tirent depuis le dépôt de livres, mais aussi depuis la palissade sur le Grassy Knoll. Le président est d'abord touché à la gorge, puis sa tête explose après un tir de face. D'autres balles ratent leur cible et finissent dans l'herbe. Qui dit tir croisé dit complot, et donc commanditaire de l'assassinat, et c'est ce complot que l'on cache depuis 40 ans. Je ne crois pas que nous connaîtrons la vérité de la part du gouvernement. C'était trop bien maquillé. Mais je sais que les preuves existent, que l'assassinat est un complot et que ces familles texanes sont impliquées. Vous pouvez donner des noms ? Je ne suis pas encore prêt à mourir. Ces familles texanes font encore peur aujourd'hui parce qu'à Austin comme à Washington, leur influence est intacte. Et si les preuves existent, celui qui les détient n'est toujours pas décidé à les rendre publiques. La raison pour laquelle je n'ai jamais vendu ces cassettes, tant que certaines personnes sont encore vivantes, je risque de me faire tuer. Président des États-Unis, Lyndon Johnson reste avant tout un Texan. À peine nommé, il annule le projet de loi de John Kennedy visant à supprimer les réductions d'impôts dont bénéficiaient les producteurs de pétrole. En conservant ce privilège, les pétroliers texans préservaient toute leur puissance.